Les 11 internationaux du stade ont connu des fortunes diverses lors des derniers matchs de la tournée d'automne. Les Pumas de Patricio Albacete s'imposent en Écosse, leur seule victoire en 3 matchs. Les îles Samoa de Census Johnston s'inclinent en Italie et repartent Fanny avec 3 défaites. Mais la grosse désillusion est bien sûr pour les 8 stadistes engagés en équipe de France. Écrasés par le rouleau compresseur All Black à Marseille, les corps sont marqués, les têtes également. Mais le capitaine des Bleus relativise. Moi j'avais été mesuré après notre victoire face à l'Afrique du Sud en disant qu'on a fait une belle performance, mais qu'il fallait continuer à travailler, qu'on avait encore rien gagné. Aujourd'hui, pour moi, même si sur ce match les All Blacks ont été exceptionnels, il n'y a pas une telle différence entre les deux équipes. Les All Blacks restent devant, mais je pense que l'écart diminue. Reste maintenant à évacuer la déception et à se reconcentrer sur les affaires courantes, à commencer par le top 14. Et là, forcément... Ça prend un peu de temps, ça ne se quantifie pas, c'est juste du ressenti. Voilà bien le problème cette semaine pour l'encadrement, remobiliser un tiers de l'effectif, faire le bilan de la disponibilité de chacun. En vue du match à Brive, son forfait, Alberto Verne-Basualdo, victime d'une luxation de l'épaule, et Yann David, élongation à la cuisse, Romain Miloszewski souffre lui d'une béquille. À ses blessures en sélection, il faut ajouter Johan Maestri, touché à la cheville, Maléli Cunavor, qui souffre de l'avant-bras fracturé en début de saison, ainsi que Jean-Baptiste Elissalde et Fino Maka, tous deux forfaits. Comme redouté, cette première période de doublon a fait des dégâts humainement et comptablement, le bilan est un peu amer. Deux matchs, c'est 10 points possibles. À la sortie, nous n'en prenons que 4. Donc, et en plus, en laissant Montauban prendre un point de bonus défensif mérité, on est en dessous de la moyenne. On aurait pris 5 points, on aurait été à la moyenne. Donc, c'est même pas le SMIC. C'est un moment de souffrance pour le Stade toulousain que de travailler dans ces conditions. Moment de réjouissance tout de même cette semaine, celui du retour de Yannick Nianga après 6 semaines à Cabreton. Il pourrait retrouver les terrains d'ici 4 mois. C'est un moment difficile dans la vie d'un sportif parce que tant que ça ne nous arrive pas, on se croit un petit peu invincible. Et puis le fait, je pense, de m'être retrouvé à Cabreton entouré de malades, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de... pas de normal, mais de fréquent. Le fait aussi d'avoir reçu tout le soutien, que ce soit mes coéquipiers, l'encadrement, ça aide quoi dans une rééducation mentalement. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais l'immédiat pour les stadistes, c'est la 15e journée du top 14, avec un déplacement chez des brivistes, 9e. Une équipe inconstante mais qui vient de gagner à Montpellier d'une manière brillante, donc qui est plutôt dans une phase ascendante à l'heure actuelle, sachant que c'est une des équipes qui a finalement été moins polluée par l'absence de joueurs. On va se servir de ce match si on le joue, puisque pour le moment il y a encore une incertitude menacée par des cas de grippe. Donc, si on joue ce match, je pense que ça sera pour nous la rampe de lancement pour retrouver un peu l'effectif et se remobiliser pour la Coupe d'Europe. Concernant la tenue de la rencontre, la décision finale sera prise vendredi matin, mais la tendance est au maintien du match. Pour Toulouse en tout cas, c'est le début d'une période charnière avec à suivre en ce mois de décembre une double confrontation face à Cardiff et la réception du champion en titre, Perpignan.